Chaque jour, 40 tonnes de déchets sont collectées par 789 agents de propreté de Toulouse. Malgré cela, les incivilités perdurent et nuisent à l'image de la ville. Et des fois, il y a beaucoup de déchets par terre, des mégots, enfin les gens, oui, enfin les gens font pipi par terre et tout. C'est propre à des endroits, mais d'autres, c'est sale. Face aux mégots jetés, les crottes de chiens non ramassées et les cartons abandonnés, la municipalité a décidé d'agir. Une brigade va être créée pour lutter contre les incivilités. Il faudrait qu'ils mettent plus de cendriers pour les fumeurs, parce qu'on voit plus de poubelles, mais pas d'endroit où jeter nos cigarettes en fait. 68 euros d'amende pour un mégot, 450 pour des cartons abandonnés, le temps est donné. Pour les commerçants, la note sera 5 fois plus salée, allant même jusqu'à une convocation au tribunal. Moi je trouve que ça fait mal, mais s'il faut malheureusement passer par là, parce que des campagnes de sensibilisation, il y en a. Hein. C'est ça. Malheureusement, les gens manquent de civilité et jettent beaucoup de choses par terre. On est capable de fumer, donc on doit être capable de ramasser ces mégots. Plus que quelques mois pour perdre vos mauvaises habitudes, dès le printemps prochain, les incivilités seront mises à l'amende par des agents en civil.